là. En fait, ta soirée d'hier, c'était comment? Trop bien, ma chérie. J'étais avec lui. Alioun, tu voulais qu'il soit avec lui? Oh non, il est trop bien, ma chérie. C'était comment, lui? Attends. Oui, allô? Allô? Oui? Ok. Ok. Je dois te laisser parce que là, là... Oui, je dois partir. Ok, tu m'as fait plus tard. Il n'y a pas de souci. Au revoir. C'est maintenant que tu rentres? Oh, je suis fatigué. Mais ce pas encore. Je t'ai posé une question. Je viens de te répondre. T'as pas entendu ce que j'ai dit? N'importe quoi. T'es que sale connard, quoi. Ne me traite plus jamais de connard. Lâche-moi. Que ce soit la première et la dernière fois. Tu m'as entendu? Lâche-moi. Pétasse. Tu as fini? Oui. Moi, une pétasse? La pétasse est enceinte, Alioune. Et c'est qui le père? Tu es malade de me poser cette question, Alioune? Qui ça peut être si c'est pas toi, Alioune? C'est toi le père, okay? N'importe quoi. C'est toi le père. Cet enfant la père. C'est ton enfant, Alioune. Certainement que c'est un de ces gars avec qui tu vas dans les grands restaurants qui t'a fait ça. Alioune, je vais dans ces grands restaurants pour qui, Alioune? Pour toi! Pour que tu puisses aller cambrioler leur demeure. C'est pour ça que je le fais. Super! Je suis d'accord avec toi. Pendant que tu y es, et pendant que moi je cambriole, que se passe-t-il après le restaurant? Cet enfant, il n'est pas de moi, ni aujourd'hui, ni demain. Imbécile. Je sais pas ce que je fous avec toi. Alioune, où tu vas? Ok, là c'est bon, là. Donc toi tu resteras à la voiture, toi tu passes par derrière, puis vous deux vous resterez à la planque. D'accord? Marco et moi on ira sur le terrain. C'est bon. Mais Joris, c'est moi. Et la boîte? Comment ça? Vous le savez maintenant et c'est bon. Je parie que tu l'as plaqué. Et voilà pourquoi je ne voulais pas que tu sortes avec ça. Tu me lèves toi, hein? Oh, n'importe quoi, ça va pas sur toi? Mais c'est ça, c'est la vérité. C'est calme, c'est bon maintenant. Merde. Bon. Si un autre point vous fait signe, vous comprenez? Cassez-vous là. Vous pouvez pas dire. Non, Joakissia, tu es trop chaud là, y'a quoi? Férima est enceinte. Elle m'a dit que j'étais le père, je lui ai dit non, que je ne voulais pas accepter. Bon, voilà, et elle s'est tirée. C'est pas grave, on va trouver une autre fille pour la remplacer. Ça, tu vas faire comme avec Férima, c'est ça? Je te rappelle que ce plan que nous sommes en train de mettre en place, c'est le plus important. Tu comprends? Donc fais gaffe, hein. Ok, j'en suis conscient, donc c'est pas la peine de me parler comme si tu parlais à un gamin. Oh, je te parle pas comme si tu étais un gamin, mon frère. De toute évidence, Férima, elle est enceinte, et de toi. Voilà, mais je comprends pas pourquoi toi tu veux pas prendre cette grossesse, hein. Mais moi, je pense que c'est un cadeau du ciel. Ok, c'est bon, là, pour la fille, je gère ça. Et puis on continue. Ok, y a pas de souci, bon. Moi, je vais rentrer. D'accord, rentre bien, là. Bonsoir, Férima. Bah, comme ça, je me distrais pendant ce temps, tes petits amis me font. Tu fais quoi là, toi? Oh, tu lui colles la paix. T'es parti, on t'a remplacé. Monsieur Kilanga a tout découvert. Il réclame la mallette que vous lui avez volée pour plus tard demain matin. Et tu crois à ça? Mais, Joe. Et c'est vrai. Faut qu'on fasse quelque chose. Férima, c'est un esprit. Elle fait ça pour nous arnaquer. Mais cette fois-ci, elle ne nous aura pas. Mieux vaut ne pas prendre des risques. Hein. Alioune, je ne veux pas mourir. Et puis quoi encore? Mallette, s'il te plaît. Alioune, je ne veux pas. Oh, laisse-moi là, fais pas ça. Alioune, s'il te plaît. Marco, s'il te plaît. Ça. Je ne veux même pas entendre mon nom dedans. T'as compris? Charlotte, on y va. Oh! Chérie. Ouais, chérie. Qu'est-ce que tu fais? Je me distrais un peu. Ah, ok. J'aime bien ce que tu fais là. Qui ça? Marco? Allô? Allô, mon frère Andigo? Ouais. Ouais, à fond, y'a rien. En fait, si je t'appelle, c'est pour vraiment te supplier, te demander vraiment pardon pour que tu puisses ramener la mallette à M. Kilanga. Et en échange, tu n'entendras plus parler de Férima et encore moins du bébé. Et tu es sûr que si je dis que Mme Valette, elle ne m'en aura plus? Non, ben là, ça dépend de toi, hein, ça dépend de toi. Ok, bye. C'est bon, ça va là, ça va. Regardez bien, monsieur. Non, monsieur, regardez bien l'intérêt. Tout est là-dedans. Non, monsieur, je ne suis pas d'accord. Regardez bien là-dedans. Non, merci. Yeah. On les chaussures par les pieds et l'homme par les épreuves, tu vois. Ça là, c'est pour tous les mogos cracra, ceux qui grimpent et puis qui guettent en bas, tu vois. C'est ça, Théry. Tu peux pas te rappeler ta mémoire à la taille d'Américain, grand comme moi, tu n'avais rien. On était oiseaux des mêmes plumages. À l'époque, on avait les mêmes plumes, on se prenait les mêmes mecs. À ce temps-là, rappelle-toi, on était sans graillat. Ceux avec qui tu traînes aujourd'hui n'étaient pas là. Quand tout près de la forêt de Bokora, on traversait le désert. À part Dieu qui était là, lorsque Abidjan nous pimentait aussi qu'au bois. Mon gars, d'ici là, il cachait ton sort. Tu deviens caméléon, vacanga. Sur moi, tu...